Bonjour à tous. Vous apprêtez à aller voir ou revoir La Flûte enchantée à l'opéra. C'est l'œuvre la plus jouée sur toutes les scènes du monde. C'est l'œuvre également qui tenait très à cœur à Mozart. C'est son chant du cygne, c'est son testament musical, son testament opératique. Mais cette œuvre n'est pas facile à saisir à la première écoute, car elle mélange des éléments à la fois féeriques, merveilleux, comiques, populaires, philosophique, voire religieux. Je vous propose de vous donner quelques clés de lecture, quelques clés de décodage qui vous permettront plus facilement d'en saisir à la fois toute la richesse et toute la profondeur. J'ai isolé 7 niveaux de lecture, 7 portes d'entrée qui permettent de saisir le caractère foisonnant et multiple de cet opéra. Il me semble que chacun de ces niveaux est aussi important l'un que l'autre. Aucun ne domine sur les autres. Par exemple, la dimension maçonnique, qui a souvent été mise en avant, ne saurait occulter la dimension profondément humaine, comique, spirituelle de cette œuvre. Imaginez une vieille commode de famille dans un grenier, avec 7 tiroirs. Si vous n'ouvrez qu'un seul tiroir, et pas les autres, vous allez peut-être découvrir des lettres, des objets rares et chers à votre cœur. Mais il me semble que dans le cas de La Flûte enchantée, si on n'ouvre que le tiroir maçonnique sur lequel beaucoup d'auteurs déjà ont travaillé, ont écrit, il me semble qu'on occulte et on passe à côté de dimensions beaucoup plus peut-être fondamentales, comme la dimension comique, la dimension profondément humaine, la dimension universelle, humaniste de cette œuvre. La Flûte enchantée n'a pas la même couleur, la même saveur, la même sonorité que les autres opéras de Mozart. Cet opéra nous propose, nous offre une couleur bleutée, une couleur argentée, qui est celle des contes de fées. La forme est celle d'un singspiel, c'est-à-dire une alternance de périodes chantées et de périodes dialoguées, éventuellement parfois avec des chœurs, avec des quintettes, des trios, des duos, entre plusieurs chanteurs. Mais au fond, ce singspiel allemand n'est pas le premier à avoir été composé en Allemagne. Bien avant Mozart, d'autres compositeurs avaient composé des singspiel, et puis Mozart lui-même, avec Bastien et Bastienne quelques années avant, alors qu'il était tout jeune, et puis avec l'enlèvement au sérail en 1782, avait lui aussi composé des singspiel. Mais cette flûte enchantée, au-delà d'un singspiel, on peut considérer, comme le pensait Wagner et comme le pensait Beethoven, on peut considérer que cette œuvre est un grand opéra allemand, dans la mesure où l'ouverture en mi bémol majeur, dans sa forme contrapuntique, dans sa forme austère, dans sa forme très solennelle, nous plonge dans l'univers sérieux de la musique allemande, et bien entendu aussi les chœurs hiératiques, le choral luthérien, le récitatif accompagné du premier acte, tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui plaident en faveur, effectivement, de la thèse de Wagner, qui voyait dans La Flûte enchantée le premier grand opéra allemand. Le singspiel est un genre opératique qui se distingue de l'opéra bouffa italien ou de l'opéra seria, et ce genre opératique mélange à la fois du théâtre, des dialogues parlés, donc un texte, et une musique. Dans le cas de La Flûte enchantée de Mozart, il a souvent été théorisé ou affirmé que le texte était médiocre,
que le texte n'était pas à la hauteur de la musique de Mozart. Il me semble que cette thèse n'est pas valable, ne correspond pas à ce que Mozart pensait profondément. Car si vous observez bien et si vous écoutez bien, la musique colle parfaitement au texte. Et par ailleurs, Mozart, qui se rendait quasiment tous les soirs au mois d'octobre 1791 au théâtre où fut créée la Flûte enchantée, Mozart a eu l'occasion de dire tout le bien qu'il pensait de ce texte, allant même jusqu'à attirer l'attention d'un aristocrate qui riait de tout sur le texte en disant « j'ai voulu attirer son attention sur certaines paroles ». Donc Mozart nous dit, dans sa correspondance, que ce texte est important pour lui et que sans ce texte, il n'aurait pas pu déployer sa plus belle musique. Le livret est d'Emmanuel Schikaneder, la musique de Wolfgang Amadé Mozart, c'est-à-dire deux hommes au sommet de leur art, qui ont travaillé en duo, en binôme, en étroite collaboration, et qui ont ensemble conçu un opéra unique dans l'histoire de la musique. Emmanuel Schikaneder, le premier Papageno de l'histoire, était en même temps le directeur du théâtre où a été créée l'œuvre. C'était un homme au talent protéiforme qui avait étudié la musique chez les jésuites à Regensburg en Allemagne, qui avait étudié le chant, le violon, qui avait composé lui aussi dans sa jeunesse quelques petits singspiels. Donc c'est un homme à la fois très passionné de théâtre et hors pair, un homme de théâtre hors pair, mais en même temps un homme qui avait l'oreille musicale, qui connaissait la musique. Mozart s'investira totalement dans ce projet, allant jusqu'à se rendre au théâtre tous les soirs du mois d'octobre, quasiment, avec son fils Karl, 7 ans, ou avec Salieri, le grand chef d'orchestre et grand compositeur de la cour des Habsbourg. Mozart aimait cette œuvre particulièrement parce qu'elle lui a permis, au fond, dans les derniers mois de sa vie, de faire une synthèse. Une synthèse de son génie, une synthèse de sa pensée, une synthèse à la fois de tous les styles vocaux et musicaux qu'il était capable de mettre en musique dans un opéra. D'ailleurs, sa femme, Constance, raconte que la veille de sa mort, sur son lit de mort donc, quelques heures avant de quitter cette terre, Mozart fredonne l'air de Papageno du premier acte. Outre le côté alchimique de cet opéra, cette musique, cette œuvre, reflète, me semble-t-il, parfaitement la personnalité de Mozart. Mozart est dans tous ses personnages, il y met tout son cœur, mais particulièrement, me semble-t-il, il est à la fois Papageno, l'oiseleur, l'homme qui aime la vie, l'homme qui aime la sensualité, l'homme qui aime les femmes, l'homme qui aime la bonne chair, l'homme qui aime la vie en général. Et puis, il est aussi, me semble-t-il, Tamino. Il est les deux. Tamino, le jeune prince qui est en quête de sagesse, en quête de spiritualité, en quête de connaissance. C'est-à-dire le Mozart sérieux, le Mozart profond, celui qui, par exemple, fréquentait les loges maçonniques à Vienne de 1784 à sa mort, donc en décembre 1791. S'il fallait résumer l'histoire, on pourrait dire que c'est l'histoire de trois couples. Vous avez un premier couple de nobles, de jeunes nobles, un jeune prince, Tamino, et une jeune princesse, Pamina. Ich fühle es, ich fühle.
Ces deux jeunes gens sont en quête, traversent un certain nombre d'épreuves à la recherche d'eux-mêmes finalement. C'est une quête plutôt spirituelle pour Tamino, une quête intellectuelle. Tamino cherche à passer grosso modo de l'adolescence à l'âge adulte, de l'ignorance à la connaissance, de l'ombre à la lumière, à travers un certain nombre d'épreuves qui vont lui permettre de se forger un caractère. Quant à la princesse Pamina, elle, ses épreuves sont d'ordre beaucoup plus humain, beaucoup plus émotionnel. Mais au final, à la fin de l'œuvre, les deux jeunes amants vont se retrouver et vont être à la fois tous les deux baignés dans la lumière et initiés à un niveau supérieur de la connaissance. Et comme souvent dans les pièces d'Emmanuel Schikaneder, comme celles qu'il avait écrites précédemment et qui avaient eu d'ailleurs un grand succès dans son théâtre, il y a, en complémentarité de ce couple noble, un couple de deux personnes issues de milieux modestes, de gens simples, des êtres de nature. Le nom de Papageno vient de l'allemand Papagei, perroquet. Et il est vrai que notre Hasler parle beaucoup, parfois à tort et à travers. Il est un peu poltron, il est vantard, il est bavard, mais il serait, me semble-t-il, faux de penser que c'est l'idiot du village. Papageno n'est pas l'idiot du village, il est très malin, il sait ce qu'il veut, il veut l'amour, il veut la sensualité, il veut des enfants, des petits Papageno, des petites Papagena, et à l'acte 2, il nous montre à quel point il est intelligent. Ce qui est étonnant, c'est que dans cet opéra, Papageno refuse l'idée même des épreuves. Il se trouve confronté à des épreuves parce qu'il accompagne Tamino, mais il refuse les épreuves, mais il obtient quand même, finalement, les résultats qu'il souhaitait. Quant au troisième couple, Zarastro, le grand prêtre Zarastro et la reine de la nuit, on a là un couple, si vous voulez, en opposition, un couple qui est mu par la quête du pouvoir, notamment la reine de la nuit. L'opposition frontale entre Zarastro, qui incarne en gros les valeurs de sagesse, de tolérance, celles qui étaient en vogue au siècle des Lumières, et la reine de la nuit qui, elle, incarne plutôt la superstition, les passions mal maîtrisées. Eh bien, ce couple en opposition frontale vit un véritable conflit, un conflit qui sera bien entendu résolu à la fin de l'œuvre, au profit des valeurs des Lumières, au détriment de la reine de la nuit. Mais la reine de la nuit ne disparaît pas, ne meurt pas à la fin de l'opéra. Elle retourne tout simplement dans le monde stellaire, dans le monde froid, entouré d'étoiles, qui était le sien au début de l'œuvre. Yeah.
Il faut ajouter trois dames qui sont au service de la Reine de la Nuit, trois garçons qui sont au service de Zarathustra, Monostatos, donc le mort, le chef des esclaves, et un certain nombre de prêtres qui entourent Zarathustra, qui constituent une communauté assez fermée, dont on peut d'ailleurs légitimement se demander si Mozart et Schikaneder ne se moquent pas parfois de leur état d'esprit, notamment leur misogynie forcenée qui revient tout au long de l'œuvre. L'œuvre n'est pas un opéra misogyne, loin de là, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le couple Tamino et Pamina, à la fin de l'œuvre, est initié, baigné dans la lumière. L'œuvre se présente sous la forme d'un opéra féerique. Les Allemands parlent de Märchenoper. Mais dans la plupart des contes de fées, il y a opposition entre les bons et les méchants. Or, dans La Flûte enchantée, qui est un conte de fées mis en musique, pour des adultes et par des adultes, il n'y a, me semble-t-il, aucun manichéisme. C'est-à-dire que Mozart se garde bien de juger ses personnages et que chacun d'entre eux, notamment la Reine de la Nuit et Zarathustra, portent chacun leur part d'ombre et leur part de lumière. Les deux hommes s'étaient rencontrés pour la première fois en 1780, à Salzbourg, alors que Schikaneder, patron d'une troupe de théâtre ambulant, faisait la saison complète au théâtre de Salzbourg. Il est possible que dès cette période, dès 1780 donc, les deux hommes qui avaient sympathisé aient eu l'idée de concevoir ensemble un opéra où il serait question des mystères égyptiens. Ce qui est étonnant, c'est que nul ne sait, au fond, qui a commencé à parler de cette œuvre. C'est-à-dire, est-ce que c'est Mozart qui a proposé à Emmanuel Schikaneder de réaliser un opéra féerique, comique, avec des scènes enlevées, des chœurs, pour faire rêver et pour divertir le public? Ou est-ce que c'est plutôt Emmanuel Schikaneder qui a proposé à Mozart de composer une musique sur une de ses pièces de théâtre? On ne sait pas exactement qui a commencé à élaborer ce projet. Ce qu'on sait, et dans les correspondances des uns et des autres, des deux personnages, on sait qu'il y a eu un certain nombre de repas, un certain nombre de rencontres au cours desquelles les deux hommes ont travaillé en binôme, en duo, pour composer cette œuvre. La première de l'œuvre a eu lieu dans un théâtre non loin du centre-ville, le théâtre Hof der Wieden, le 30 septembre 1791. Mozart a consacré le travail de composition du mois de mars 1791 au mois de septembre, avec une coupure au mois d'août pour composer la Clémence de Titus. Il revient de Prague et il achève l'ouverture et le chœur Isis et Osiris, et il dirige les deux premières représentations, donc le 30 septembre et le jour suivant au théâtre Hof der Wieden. Cette œuvre s'inscrit dans une période, dans une époque, qui est certes celle de la Révolution française, 1791, les débuts de la Révolution française, mais surtout celle du siècle des Lumières. Un signe ne trompe pas. Le mot « bald », bientôt, revient très souvent. C'est-à-dire que cette œuvre, profondément humaniste, qui met en avant les principes de sagesse, de tolérance, de perfectibilité de l'homme, eh bien, cet opéra nous projette, nous incite à nous projeter vers un monde meilleur, vers un monde plus fraternel, plus juste, plus humain. Mozart avait-il le pressentiment de sa mort en composant cette œuvre? Eh bien, il me semble que non. Si on lit la correspondance de Mozart pendant toute la période de composition, on note un style alerte, un style assez joyeux, un Mozart heureux de vivre, qui certes parfois traverse des périodes de tristesse, de dépression, notamment lorsque sa femme, Constance, part à Baden prendre les eaux à une quarantaine de kilomètres, il se retrouve seul à Vienne. Mais dans l'ensemble, Mozart est joyeux, Mozart vit pleinement sa vie de compositeur, il est reconnu, et malgré des problèmes financiers, on ne peut pas dire que cet opéra est un opéra qui annonce la mort ou dans lequel Mozart projetterait sa propre mort. Le Requiem est commencé au mois de septembre 1791, donc au moment où l'œuvre est déjà bien entamée, et rien ne laisse penser que Mozart pensait à sa mort au moment où il compose cette œuvre. Cette œuvre respire beaucoup plus la vie, l'énergie, que la tristesse et la mort. Alors que l'action de Don Giovanni est bien située, bien localisée,
Séville au XVIIe siècle, alors que l'action de Così fan tutte est bien localisée également Naples au XVIIIe siècle, il se trouve que la flûte enchantée, on ne sait pas où ça se passe. Il y a bien ici quelques décors égyptiens, quelques références à des pyramides, mais aussi parfois des décors un peu turcs. On ne sait pas véritablement où ça se passe, et surtout on ne sait pas quand ça se passe. Il s'agit finalement, me semble-t-il, d'une forme de rêve, d'un rêve éveillé, qui nous mène très profondément dans l'inconscient de Mozart et dans l'inconscient collectif de cette époque. Le théâtre de Wieden, le théâtre of der Wieden, se situait à quelques encablures du centre-ville, à quelques centaines de mètres de la porte de Carinthie. Une allée avait été aménagée, éclairée la nuit, ce qui permettait aux personnes du centre-ville, à certaines personnes du centre-ville, de se rendre au théâtre. Et ce qui fait que dans ce théâtre, qui était un théâtre de faubourg, on avait un public assez bigarré, des artisans, des commerçants, mais aussi des nobles qui venaient du centre-ville. Et ce côté bigarré du public se retrouve également dans la variété des styles vocaux et musicaux que Mozart utilise. Au fond, Mozart, conscient de cette diversité du public, souhaite toucher le cœur du plus grand nombre et souhaite satisfaire l'ensemble des personnes présentes dans ce théâtre ce soir-là. Ce théâtre était un théâtre en briques extérieurement, en bois à l'intérieur, 1000 personnes, dont 800 places assises, donc un théâtre relativement grand, niché dans un ensemble immobilier constitué de 6 cours intérieures. La particularité de ce théâtre était qu'il proposait au public à la fois des pièces comiques, des pièces populaires, des Singspiel, mais aussi des pièces de théâtre, de Schiller, des symphonies, de Haydn. On mélangeait à la fois, si vous voulez, le comique, le populaire et le savant. L'idée de Schikaneder, qui était un homme des Lumières, c'est que le public pouvait à la fois se divertir et en même temps s'élever l'âme, s'éduquer, apprendre et profiter des grandes œuvres à la fois du théâtre et de la musique. Dans la fosse d'orchestre, 35 musiciens, parmi les meilleurs de Vienne, de grands solistes. Mozart a donc à sa disposition un excellent orchestre et il peut à la fois diriger les répétitions pendant la période où il n'est pas à Prague et après, ensuite, diriger les deux premières dans des conditions optimales sur le plan musical. L'œuvre rencontre un immense succès dès les premières représentations. Songez que dès le mois d'octobre, c'est-à-dire le premier mois de représentation, il y a 24 représentations au Theater of der Wieden de la flûte enchantée. Le public, en masse, se presse devant les caisses à 5 heures le soir pour une représentation prévue à 19 heures, à 7 heures. Et Mozart, qui dirige la première, écrit à sa femme qu'il est bouleversé, il est ému par l'approbation silencieuse du public. Dit autrement, ce public était venu pour se divertir, ce public majoritairement populaire, eh bien ce public fait silence à certains moments, notamment au second acte, pendant les chœurs hiératiques, pendant l'ère de Pamina, Ars Ischfüls. Ce public est touché, ce public est ému, et Mozart a donc complètement réalisé et atteint son objectif. Soumis à la concurrence de deux autres théâtres dans les faubourgs de Vienne, et en homme de théâtre et en homme d'affaires avisé, Schikaneder n'a pas lésiné sur les moyens. Songez simplement qu'il a proposé 12 décors nouveaux, plusieurs changements à vue, une débauche de costumes, des trappes, des nacelles, des animaux sauvages. Le tout pour que le public non seulement passe un bon moment, mais puisse aussi rêver, puisse aussi s'évader d'un quotidien qui, à l'époque, alors que l'Autriche est en guerre contre les Turcs, une époque difficile, pour que le public puisse effectivement passer un moment de plaisir et d'émotion. Quant à Mozart, il connaît parfaitement le potentiel vocal et musical de chacun de ses chanteurs. Josefa Hofer, par exemple, est sa belle-sœur. Elle est la première reine de la nuit. Elle a des sopranos coloratours qui lui permettent d'aller très très haut dans les aigus. Eh bien, Mozart compose effectivement les trois airs de la reine de la nuit pour sa belle-sœur Josefa Hofer. Il connaît aussi très bien Benedikt Schack, le premier tamino, excellent flûtiste, dont le père de Léopold dira qu'il avait une voix absolument superbe. Il peut s'appuyer aussi sur le talent de Frank Zavergerl, qui est doté d'une voix de basse magnifique,
et qui sera le premier Zarathustra, un de ses amis proches également. Quant à la princesse Pamina, elle est incarnée par une jeune femme que Mozart connaissait très bien, puisqu'elle avait été la première Barbarina des Noces de Figaro en 1786. Et c'est une jeune femme donc, qui a une voix de soprano très veloutée, très douce, très sensuelle, qui colle parfaitement au personnage de Pamina. Plus que de sur-mesure, on peut presque parler de haute couture. Tant effectivement, Mozart, conscient du potentiel vocal de chacun de ses chanteurs, compose une musique parfaitement adaptée à la personnalité, à la psychologie profonde de chacun de ses personnages. Le résultat, eh bien, c'est un opéra alchimique. C'est une synthèse unique dans l'histoire de l'opéra, car dans cette œuvre, Mozart nous propose à la fois les airs de l'opéra bouffa, avec Papageno, Papagena, les airs de l'opéra seria italien avec La Reine de la Nuit, les chœurs hiératiques des prêtres, notamment au second acte, qui anticipent les grands chœurs wagnériens, le choral luthérien des deux hommes en armes, une musique très contrapuntique, très austère, l'ariette viennoise, quand Tamino charme les animaux sauvages, par exemple, le lied populaire, le premier air de Papageno, c'est-à-dire un refrain circulaire qui permet au public de mémoriser la mélodie et de siffloter la mélodie du premier air de Papageno à la sortie du théâtre. Bref, cet ensemble de styles vocaux et musicaux, unique dans l'histoire de l'opéra, constitue bien une alchimie, une synthèse qui montre à quel point Mozart a voulu, dans cette œuvre, faire le bilan, faire la synthèse de son génie. Quel est le sens de la flûte enchantée? Eh bien, d'abord, cette œuvre reste et restera à tout jamais un mystère. Le mystère n'est pas forcément quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais. Le mystère, me semble-t-il, c'est quelque chose qu'on comprend, mais qu'on n'a jamais fini de comprendre. Le sens de cette œuvre a souvent été orienté vers l'initiation, vers le rite maçonnique. Et il est vrai que le cadre général de l'œuvre, c'est-à-dire les trois accords du début de l'ouverture, et puis le chœur final qui met en avant la force, la sagesse, la beauté, c'est-à-dire les trois piliers du temple maçonnique, il est vrai que le cadre de l'œuvre est maçonnique. Mais, me semble-t-il, le contenu de cette œuvre est beaucoup plus multiple, beaucoup plus foisonnant, et au fond, il me semble que cette œuvre est avant tout un hymne à la vie, un hymne à l'amour, et un hymne au pouvoir magique de la musique. L'œuvre vaut plus pour son humanité, voire son humanisme, que pour son ésotérisme. Songez par exemple à l'amour, qui tient une place centrale dans l'œuvre. Papageno, qui part en éclaireur dans le château de Zarathustra au premier acte, rejoint Pamina. Et il se plaint auprès de Pamina de ne pas avoir encore rencontré l'amour et de ne pas avoir la chance de vivre avec une jolie et sensuelle Papagena. Et la princesse Pamina le rassure, lui dit qu'il connaîtra l'amour, qu'il a une bonne âme et qu'il connaîtra l'amour. Et le couple chante ce duo incroyable en mi bémol majeur, qui est une tonalité très sérieuse chez Mozart. Le couple, donc, la princesse Pamina, fille de la Reine de la Nuit, et Papageno, le Naturmensch, chantent ensemble un duo magnifique, homme et femme, femme et homme, par l'amour, atteignent à la divinité. Schikaneder et Mozart admiraient tous deux profondément Shakespeare. Et il y a effectivement une dimension shakespearienne dans la flûte enchantée. L'idée centrale est que le pouvoir, pour être exercé dans un esprit de sagesse et de tolérance, eh bien le pouvoir nécessite un apprentissage. C'est effectivement le parcours d'épreuve de Tamino qui vise à non seulement faire en sorte qu'il se connaisse lui-même davantage, mais en même temps qu'il puisse à terme remplacer Zarathustra qui avance en âge et exercer le pouvoir dans les meilleures conditions. Quant à la Reine de la Nuit, on peut certes comprendre sa frustration au moment où son mari défunt refuse de lui remettre le cercle solaire aux sept auréoles, symbole du pouvoir absolu, et lui dit que Zarathustra en fera un meilleur usage. Il n'en demeure pas moins que cette femme, progressivement, devient obsédée par le pouvoir
et qu'elle considère que la fin justifie les moyens, allant jusqu'à demander à sa fille de tuer Zarathustra pour récupérer ce fameux symbole, ce fameux cercle solaire aux sept auréoles. L'amour, le pouvoir, la complémentarité des contraires, mais finalement, est-ce que la musique n'est pas le personnage principal de la flûte enchantée? Rappelons-nous que Tamino charme les animaux sauvages au son de sa flûte, que Papageno, à l'aide de son glockenspiel, de son carillon magique, se tire de situations embarrassantes, que le couple Tamino-Pamina, à l'acte 2, traverse sans encombre, dans une grande sérénité, les épreuves terrifiantes de l'eau et du feu. Et au moment où le couple s'apprête à traverser ces épreuves de l'eau et du feu, qui peuvent entraîner la mort, le couple chante « Nous avançons, joyeux, par la force de la musique, à travers les épreuves de la mort. » L'idée selon laquelle la musique est plus forte et plus puissante que la mort. Quand Mozart compose cette musique et probablement écrit ce texte, il ne lui reste que quelques mois à vivre. À l'image de la 9e symphonie de Beethoven et de son hymne à la joie, la flûte enchantée nous propose un chemin, un itinéraire. Les trois garçons le formulent parfaitement à l'acte 2. « La terre sera le royaume des cieux », chante-t-il, « et les mortels égaleront les dieux ». À l'image de Beethoven dans sa 9e symphonie, Mozart et Schikaneder nous proposent ce chemin lumineux, ce chemin qui vise à construire un monde meilleur, un monde dans lequel l'homme vit en harmonie avec les autres hommes, vit en harmonie avec la nature et vit en harmonie avec Dieu. Voilà en quoi Mozart et Schikaneder ont réalisé ce qu'on peut considérer, à juste titre, comme l'opéra le plus humain, le plus humaniste, le plus lumineux de toute l'histoire de la musique.